et bienvenue dans... Bienvenue dans DMC Devil May Cry. Aïe, défonce mon caleçon. C'est débile. Du coup, on se retrouve pour la suite du SPS sur DMC Devil May Cry épisode 3 déjà. Bon, épisode 2 qui est en sortie suite à un problème de montage, hein, voilà. Et du coup, on va continuer la mission. Vous verrez que du coup, au montage, le son de ma voix aura augmenté, voilà. Je ferai en sorte. Et du coup, continuons. Non, mais monsieur, arrête, aïe. Tu te souviens de cet endroit? Oh. Ouais, je suis déjà venu là. Putain. Notre mère nous amenait souvent ici. Oh putain! La mère, ouah. Explique-moi tout. J'aurais dit... Certaines choses sont là depuis toujours. Oui, les anges ont toujours existé. Bonjour. Les démons ont toujours existé. Ainsi que la guerre qui les oppose. Il y a 9000 ans, un démon est sorti du rang pour prendre le contrôle des armées de l'ombre. Le plus fort, le plus cruel. Mundus. Ma. Mais Mundus n'était pas seul. Il avait avec lui son fidèle lieutenant. Son frère de sang. Sparda. Mais Sparda l'a trahi. Il est tombé amoureux d'un ange, Eva. L'union secrète d'un ange et d'un démon était... inconcevable. Mais elle s'est produite. Et elle fut suivie d'une naissance. Celle de jumeaux. Toi et moi. Des hybrides d'anges et de démons, les deux races rivales. Lorsque Mundus apprit la trahison de Sparda, sa colère fut sans limite. Il pourchassa les deux amants. Tua Eva de ses propres mains. Et exigea pour Sparda un destin plus cruel encore. Châtiment et souffrance éternelle. Mais lorsqu'Eva fut détruite et Sparda emprisonnée à jamais, tout le monde savait que les graines de la vengeance avaient déjà été semées. Bah oui, bah... Car selon la légende, il n'y a qu'une seule race capable de tuer un roi démon, les Néphilim. Des hybrides d'anges et de démons. Il n'en existe que deux, toi et moi. D'accord. N'empêche, on remerciera Jackie, hein. Jackie et Michel, non pas... Mundus pensait qu'un seul enfant était né. Pour discrétion. Mais ils étaient deux. Et ils avaient été cachés soigneusement. Sparda arma ses fils. Rébellion pour Dante. Oh. Et Yamato pour Vergile. Ouah, y'a un katana. Alors, Mundus a enfermé notre père et tué notre mère. Oui. Et nous, on est un croisement d'anges et de démons. Père démoniaque, mère angélique. Nous sommes des Néphilim, les seuls capables de tuer le roi démon. Par contre, enlève ton chapeau, bien. C'est horrible. Comment? Un guetteur. Putain de collabo démoniaque. Tu te fais entraîner dans les larmes. Je vais chercher Kat, elle va sortir de là. Tiens bon. Ma, ça tombe bien. Comme c'est chier. 3 minutes. Bon. Ah oui, c'est vrai. Oh, oh. Ouh. Ouh. Oh non. Non mais ça, on sait déjà. Tu nous apprends rien au jeu. Tu nous apprends rien. Casse-toi. Ok, ça me prendra.
Oh, ça se fait son attaque. Hop là. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Quoi ? Minable. Oh, y'a 4 là-bas. Non, le portail est ouvert. Allez. J'arrive, j'arrive, laisse-moi de plus. Oh, des araignées, ça va, les araignées. Comment ? Vous dites que, là, j'ai été entré par exemple par un petit fils de pute qui en fait est un démon déguisé en humain et que donc, moi, le Néphilim, j'ai hérité des pouvoirs de ma mère et de mon père. Comment vous dites que je vais avoir un pouvoir ? Mais vous spoilez ? Fais voir, les araignées qui se trouvent avec vous. Ah, purée. Non, j'ai pas d'amélioration. Alors aussi, on m'a dit acheter des objets, on a une mise. Mais on va une quête, y'a pas des quêtes. Ah bah c'est génial. On trouve une porte. Voilà. Mec, le spectacle est terminé. Ah oui, c'est vrai, j'ai 7 équipes. Oh, coup d'épée. Oh, une étoile. Avec un scoop. Rip du scooter. Le scooter rip. J'imagine celui dans le monde réel. Il voit son scooter spier comme ça là, et tout. Il doit se dire. Okay. Et après, il le voit disparaître comme ça. Il doit se dire. Oh putain. Vous imaginez. Il y a un endroit qui est aussi ici, ça part. Je sais pas si c'est vrai. Oh, deux points. Hop. Ah, par où? Par là. Ah oui, merde, il faut que j'aille prendre le chemin. Moi, comment est-ce que je suis en train de faire le vide. Qu'est-ce que... Oh, démon. Ah. Wow. Ah, mais là, c'est comme la chatte à la mer. Tu peux traverser? Ah non. Croner, faut que je trouve un autre chemin. C'est croner, attends, comme j'ai dit... Comme le vagin de ta maman, ça rentre pas. Voilà, c'est dégueulasse, c'est gratuit. Voilà. Hop, hop. Hop. D'accord, merci. Du coup, trouvons un autre chemin. Vous étiez resté caché au bon moment, putain. Hop. Ouais. Très bien. Hop. On va prendre un peu aux iris, tiens. Ça, c'est... Hop, hop, là. Hop, 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 hop. Fini au cœur. I come. Non mais lui, vas-y, approche pour si tu veux. Oh, ça distingue. Ah, il y a Super Seigneur. Oh, les araignées, ça va, les araignées. Comment vous dites que c'était stylé ce que j'ai fait avec un putain de Osiris. Et que son skin os lui va super bien. Oh, et le skin os de la hache. Ah, ça vous plaît pas? Ok, je vais devoir prendre votre âme. Notre qui demande l'avis des araignées pour ce qu'il faut. Bon. Oh, y'a une âme. Ah, bouée. Ah bah, je peux pas. Ah bah, je suis coincé. Voyons. Bon, bah, je sais pas. On va prendre ses pattes là.
Encore une rose bleue. Ah bah une rose bleue. Maman est passée par là. Ça devait être sa fontaine préférée. Je t'avais rien demandé. Wow. Non mais Capcom, merci de me montrer le chemin que je dois faire. C'est pas comme si on perdait du temps, non. Nouvelle capacité débloquée, vol 2. Propulsante en avant tout en étant rien. T'es sérieux? Attends. Oh, le vol d'orange. Vol d'orange. Hop, ouais. Regarde quand même s'il n'y a pas des objets. Non, il n'y a rien. Déjà 11 minutes de vidéo. Bon, on avance. Maintenant, allongé. Ça passe. Pas d'ennemis. Je me souvenais plus s'il y avait des ennemis. Ouais, ça commence à me dire, je me suis fail, c'est pas grave. Mais n'empêche, comment tu as prononcé, donc c'est plutôt dégueulasse. Hop! Come here! Oui! Putain, en fait, je fais croto le vote de hanche, et résultat, je me fail. J'ai pas rencontré d'ennemis, je suis dé... Attendez. Monsieur, bonjour! Est-ce... Ouais! Oh. Est-ce qu'on y perd ou pas, Samy? Qu'est-ce que tu caches, là? Ah non, ça me plaît. Autre chose de ta vie. Oui, je comptais me prendre. Ouais. Oh. Pathos. Saleté. Pour moi, c'est ça. Le défi. Bon. Messieurs, bonjour. Viens voir la petite tête. Voilà. Avant, je vois une porte. Je voudrais tenter d'atteindre cette porte. Si c'est possible.
Hop. Et on récupère l'âme. Bonjour. Voyons. Bim. Ah bah d'une dame. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Attends, je récupère de la thune. Moi ça vaut le coup. Merci, tu meurs. Tu es. Hop. Pas assez de quilles d'argent. Fuck, pas la bonne quille. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon bah c'est, je pense que c'est déjà la fin de l'épisode. Ah, il sera méga court. Oui, Mister Padoué. Oui. Il y a vidéo qui aura même pas duré longtemps. Le dégoût. Ah, mais il y a une cinématique. Oh! Silver Sachs, la banque d'investissement la plus puissante du monde. La musique de Raptor Jesus New. Et qui est à sa tête? Ma bite? Il s'agit de Kyle Rider, le PDG. C'est l'avatar humain de Mundus, le roi démon. La créance est son arme pour contrôler le monde. Qui fait appel à des démons pour Mundus, le monde n'est qu'un gigantesque élevage d'âmes humaines. Il préfère que son bétail soit surveillé et docile. La surveillance se fait via Raptor News Network. Raptor, j'ai deux un réseau mondial de télésurveillance. Satellite espion et informateur. Pour ce qui est de la docilité, c'est plus insidieux. C'est-à-dire? Ce que tu tiens, la boisson la plus populaire de la planète, Virility. Il a changé la formule. T'en fais pas, ça n'a pas d'effet sur nous, seulement sur les humains. Ma. De la lobotomie en canette. C'est quoi ton plan? Voici la porte de l'enfer. C'est de là que Mundus tire son pouvoir. Lorsqu'il y est connecté, il est immortel. Il suffit de briser ce lien, et nos épées feront le reste. Bon, comment on fait ça? On attire son attention. Il est arrogant et impulsif. Si on arrive à attiser sa colère suffisamment, ça devrait pouvoir marcher. En résumé, pour le tuer, il faut l'éloigner de la porte de l'enfer, et pour ça, on doit le mettre en relief. C'est à peu près ça, oui. Et tu proposes qu'on se débarrasse de Raptor News Network et de Virility? C'est ça. On commence par quoi? Bon! Bah ce fut rapide. Putain, 18 minutes, wow. Bon bah... Deux points d'amélioration. Alors du coup, faut que je trouve une rime. Super Saiyan. Saiyan. Type Saiyan. Saiyan Super Satomaso. Oh, c'est dégueulasse, c'est débile. Voilà. Du coup, bah c'est déjà la fin de cet épisode. Bah putain, ce fut court. Oui, il est très court, mais voilà, c'est la mission, donc désolé. Du coup, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, pour une, à bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de, bien sûr, voter pour Yoskin. Hein. Donc, une autre idée est passée. Du coup, il reste celui-ci, celui-ci. Bien sûr, maintenant, vous pouvez faire pareil pour ça, à savoir qu'il y a Os, Or, Samouraï. On a pris Os, donc il reste Or et Samouraï. A savoir que Samouraï est plutôt stylé. Et du coup, voilà, on a du coup, il nous reste ce skin, voilà. Et si jamais vous voulez du classique, hein, c'est à vous de voir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Mister.